Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous et c'est un tirage collectif. Hein, donc certains messages auront plus ou moins de résonance avec vous. Ce n'est pas un tirage personnalisé, donc regardez toujours les tirages avec ça en tête, de garder une certaine, un certain recul hein, sur ce type de tirage. Et voir ce qu'il y a de la résonance ou non. Et d'ailleurs, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter. Hein. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo et également en dessous de la description. Vous savez, dans la boîte de description en dessous de la vidéo, vous avez un lien directement sur mon site internet pour commander une session de tarot et mon email, comme je disais. Donc, alors, au niveau du message, le premier message pour les lions, on vous parle de vos rêves. Quels sont vos rêves? Donc, c'est une période où ça va être intéressant peut-être de vous questionner. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie d'entreprendre, de réaliser? Quels sont vos rêves les plus profonds? Et dans quelle mesure est-ce que vous faites place à ces rêves dans votre vie? Ou quelle action, eh bien, vous placez pour faire avancer ou vous rapprocher de ces rêves? Faire de ses rêves une réalité. Vous avez aussi sur l'énergie générale de la période la mobilité. Donc on vous dit la situation ou le projet implique un changement, qu'il soit physique, alors pour certains il va peut-être y avoir un voyage, ou mental, avec un nouveau point de vue, une nouvelle perspective, préparez-vous à un mouvement. Donc c'est une période, ça peut être par rapport à un projet, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. On a cette forme de fluidité, cette forme de mobilité, de mouvement, parce que on apporte un nouveau regard sur les choses, parce que peut-être, comme on dit, il y a peut-être un déplacement au niveau physique et géographique. Donc, ok, on va regarder les messages suivants qui se présentent pour vous, amis Lion, sur la période. Message intuitif, message pour l'amour. Donc trois messages pour l'amour et deux petits messages d'intuition. Ok, alors, excusez-moi. Bon, alors au niveau des petits messages, vous avez pour le message Cosmos, le ciel, votre reliance avec le ciel est vivante, elle allège votre esprit. Accueillez l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour vous connecter à la force créatrice. Donc, voyez, ça va très bien avec cette notion de fluidité, de mobilité, de synergie. Incroyable, en fait, dans la prédiction, vous avez la fluidité. Donc, voyez, mobilité, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que vous attendiez. Il vous donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc quelque chose de vraiment favorable, une énergie de déblocage où on va de l'avant, où il y a, comme on dit, des déplacements, soit physiques ou mentaux, et parce que vous vous connectez aussi à une certaine forme de guidance à l'intérieur de vous, au niveau de l'inspiration, des idées créatrices. Très beau message. Ensuite, alors vous avez un message, et pour certains ça va résonner, pour d'autres beaucoup moins. Si ce message n'est pas pour vous, ne forcez rien. Mais pour certains, vous allez peut-être recevoir un courrier ou un message dont vous vous seriez bien passé. Donc même si ce n'est rien de grave ni à redouter, hein, la nouvelle peut s'avérer déplaisante ou cinglante. Donc voilà, c'est pour certains, il va peut-être y avoir un petit peu une certaine forme de contrariété par rapport à un type de nouvelle, de message que vous allez recevoir. Et on vous dit simplement comme conseil, n'agissez pas dans le feu de l'action, laissez passer une nuit de réflexion avant de voir quelle suite vous allez donner. Ok, donc petit conseil juste, hein, puisque si vous avez ce type de nouvelle un peu déplaisante, ou une nouvelle, hein, on en a tous plus ou moins, là on vous dit simplement attention de marquer la pause, de prendre du recul et de ne pas réagir à chaud. Bon, alors ensuite, le message suivant, on vous dit qu'il est particulièrement conseillé de vous intéresser à vos prédictions astrologiques. Intéressant. Plus la prédiction est personnalisée et plus elle devrait retenir votre attention. Cette période semble fortement reliée à votre profil astrologique, mais aussi à la position de la Lune. Suivez les conseils associés
ils vous en seront bénéfiques. Donc c'est une période où on vous dit, bah, finalement, les astres, hein, les guidances astrologiques, c'est quelque chose auquel vous devez prêter attention. Ok. Le message suivant, on vous parle d'explication des songes, art d'interpréter les rêves. Donc on vous dit qu'il faudrait, vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Donc encore une fois, on a cette impression du domaine intuitif, soit à travers les rêves, soit à travers aussi peut-être des guidances astrologiques, mais le fait que vous écoutiez finalement cette forme de guidance un petit peu plus spirituelle ou intuitive, c'est quelque chose qui peut vous être favorable et qui peut amener en fait une avancée, un déblocage. Alors on vous parle ensuite. On vous dit, bon, êtes-vous en proie à des tourments? Pensez-vous être au cœur d'une situation inextricable pour certains? Et malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Donc si, pour certains d'entre vous, vous avez une résonance particulière avec ce message et que vous vous trouvez un petit peu face à une situation difficile qui peut générer de l'anxiété et des tourments, eh bien on vous dit qu'il y a une solution qui gravite autour de vous et qui est proche. Donc ce qui est important, c'est de tenter d'apaiser votre esprit, d'identifier la véritable cause du problème qui peut être différent du problème lui-même. Et vous ferez déjà un grand pas. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette énergie de mouvement, de déblocage qui me semble très favorable. Et donc l'importance de cette fluidité, hein, fluidité dans l'approche sur la période. Au niveau sentimental, le premier message que vous avez, on vous dit « Trop de sophistication peut parfois nuire aux rencontres et aux relations amoureuses. Quelle image ont les autres de vous ?» Vos intentions ne sont-elles pas trop cachées? Alors, il y en a peut-être certains parmi vous qui auraient une certaine résonance avec ça, d'autres moins, vous ne forcez rien. En étant plus direct, on vous dit, et plus simple, vous pourriez paraître plus accessible. Alors, est-ce que pour certains, peut-être, il y a cette forme de protection dans cette manière, vous savez, avec le lion aussi, hein, qui brille énormément. Donc, peut-être, là, c'est juste un petit clin d'œil, hein, pour vous dire, soyez direct, faites preuve de simplicité, vous pourriez paraître plus accessible. Sachez toutefois conserver une pincée de mystère. Et ça, le lion sait le faire parfaitement. Le deuxième message, on vous dit une beauté à couper le souffle, une élégance bouleversante, c'est une personne de cet acabit qui pourrait croiser votre route ou occuper vos écrans prochainement. Savourez cette grâce comme un précieux cadeau de l'univers. Donc pour certains, il pourrait y avoir une rencontre, hein, ou simplement, et ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi un autre domaine et finalement avec une possibilité de développement sur les sentiments. Un troisième message, et peut-être que pour certains, vous avez une résonance avec un, deux ou trois messages. Hein, donc voilà, ne forcez rien. Des fois, il y a un message qui est pour une personne en particulier. Et si c'est vous, vous le saurez. Hein. Donc là, on vous dit, on vous parle en fait de prendre les choses un petit peu plus à la légère. Être sérieux, être raisonnable, non, ce n'est pas dans vos projets. Vous avez plutôt envie de vous amuser, de céder à la tentation. Et pourquoi pas de goûter à de nouvelles sensations. Donc là, c'est place au plaisir des sens. Bon, beaucoup de sensualité pour les lions et d'aventure. Bon, alors, on va regarder un petit peu au niveau des énergies du tarot. Donc, pour les énergies du tarot pour cette période, nous avons le pendu, nous avons la justice, le chariot et la lune, que des grosses arcanes. Donc ça, c'est assez fascinant. Donc on voit que y a finalement pas mal de changements. Je pense que pour certains, vous avez pu passer par une période ou avoir un sentiment de faire certains sacrifices dans votre vie, peut-être dans une relation ou dans certains aspects de votre vie, ou simplement de vous sentir un petit peu en phase d'attente, de blocage, de ralentissement. Pour certains, vous avez peut-être même eu l'impression de renoncer à certaines choses et de ressentir un petit peu soit une impossibilité d'agir sur quelque chose ou, voilà, comme je disais, un petit peu une phase de blocage. Mais en même temps, donc là, ce qui vous est rappelé, c'est de dire
utiliser, quel que soit ce que ça a pu représenter pour vous, ce que ça peut représenter pour vous dans le présent. On vous dit pratiquer la pause, regarder les choses sous une nouvelle perspective. Pour moi, c'est vraiment ce que symbolise aussi l'énergie du pendu. C'est-à-dire qu'on est dans une pause, mais pas pour se sentir frustré, bloqué et dans un aspect négatif. Vous voyez, cette personne est assez détendue et du coup, il peut y avoir une forme de révélation, d'illumination, parce qu'on voit les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour. Intéressant. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez besoin vous avez peut-être eu besoin un peu d'un ralentissement, vous savez, il y a pu y avoir une perte de vitalité ou ce genre de choses, ou même une perte au niveau financier et donc ça vous met un petit peu dans la pause, hein. C'est pas pour tout le monde. Là, ce que j'ai l'impression, c'est on a des cartes davantage de réharmonisation, d'équilibre, hein, donc on essaye de retourner à l'équilibre avec cette énergie-là. Donc c'est un bon équilibre général et c'est aussi une période qui va être favorable pour la prise de décision où on peut regarder les choses pour ce qu'elles sont, hein, donc on est capable de faire la part des choses, de voir le pour et le contre d'une situation sans s'emballer mais plutôt essayer de trancher. Donc vous voyez cette épée quand elle tranche, hein, en même temps c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut mais on a l'impression que cette décision, elle va venir après un moment de pause, hein, où justement, si vous avez pu essayer d'analyser les choses sous différents angles, et bien ensuite vient la prise de décision, l'action. Donc, c'est ce pouvoir de l'action, mais c'est une action qui est bien intentionnée. Hein. Juste faire attention de ne pas manquer de souplesse dans votre approche avec les autres, c'est important, même s'il y a cette forme d'honnêteté, ce côté direct, hein, de dire ce qu'on pense, de dire les choses telles qu'elles sont. Là, c'est aussi un petit rappel de ne pas être trop froid peut-être des fois dans l'approche, hein, vous savez, ou trop tranchant aussi peut-être pour certains. Alors avec le chariot, c'est une belle énergie, on a une énergie de succès, de victoire, donc on a l'impression que tout ça, hein, ça évolue encore une fois avec cette fluidité, cette mobilité, ce mouvement et on évolue vers quelque chose de favorable. Des énergies de victoire, de succès, ça peut représenter le triomphe aussi avec le fait que ça va vous demander aussi un certain courage. Hein. Donc, vous avez peut-être eu à traverser des phases qui n'étaient pas évidentes. Et là, on a l'impression que grâce à votre courage et votre capacité aussi à avoir confiance en vous, en prenant les décisions qui sont nécessaires, il y a aussi cette énergie de persévérance de quelqu'un qui continue à aller de l'avant, quelles que soient les épreuves qui peuvent être sur son chemin. Donc, là, c'est un rappel hein, que vous avez les moyens de surmonter les situations, vous avez moyen d'atteindre le succès, quel que soit le domaine auquel ça s'applique. Mais pour ça, ça va vous demander aussi de trancher, d'avoir une forme de clarté, de dissocier aussi ce qui peut être source d'illusion, ce qui peut être aussi avec l'énergie de la lune, hein, ce qu'on vous dit simplement au niveau de la mise en garde sur les blocages potentiels. C'est, vous savez, justement, c'est l'action qui peut être des fois limitée par une forme soit de passivité, où on peut se trouver un petit peu en limbo, où il y a une phase d'attente, où il y a une phase de stagnation. Donc faire attention si vous êtes pris dans des énergies comme ça ou peut-être des fois de se sentir démotivé par rapport à un aspect de votre vie, à la place c'est on vous dit d'avoir confiance, d'apporter cette clarté, d'être très rationnel sur les faits et de ne pas, on avait ça tout à l'heure un petit peu, hein, c'est de vous dire si des fois vous vous trouvez tourmenté ou dans une situation même problématique ou quoi que ce soit, on vous dit que c'est important d'identifier la cause du problème et voilà, que le reste après c'est aussi la manière dans notre esprit, l'état d'esprit qu'on a face à une situation qui va énormément déterminer l'évolution de cette situation. On vous parle aussi de l'importance d'écouter votre intuition là, avec ça. L'intuition, l'imagination, c'est une période féconde, prenez le temps du recul, le temps de la pause, mais ne la voyez pas comme une contrainte mais plutôt comme quelque chose voilà, de créatif, hein, de fécond, qui donne en fait, qui vous reconnecte à vos rêves. Vous voyez, là, on a aussi pour moi ce retour avec le message des rêves, la lune, hein, c'est le monde, ça peut être aussi tout ce qui est illusion, donc faire attention quand même d'avoir la tête sur les épaules, de regarder les choses pour ce qu'elles sont,
pour certains, il peut y avoir certains aspects où vous vous dites, soit vous ne voyez pas tout dans une situation, dans une personne, il y a des choses qui peuvent vous paraître un petit peu non dites, cachées, ou les choses sont un peu en décalage avec ce qui est, et un décalage entre la réalité en fait et, ce qui est, et les apparences, c'est quelque chose de possible. Mais ce que je vois, c'est que pour certains, vous avez peut-être eu un blocage au niveau d'un rêve ou quelque chose qui vous tient à cœur, et dans cette période, c'est le moment finalement d'amener cette traction, d'amener, de percer le voile, de percer ce qui, les obstacles qui peut-être vous ont ralenti jusqu'à présent. Hein, donc voilà, là c'est l'énergie qu'on a. Donc pour les lions, puis je vais simplement vous donner un petit message d'oracle supplémentaire, on va voir ce qui se présente. Donc pour certains, il y a une rencontre forte. Alors soit elle a eu lieu dans l'année en cours, soit c'est une rencontre qui va avoir lieu cette année, ou il peut y avoir aussi des fois, on vous parle des fois de disputes. Si vous avez des fois des différends avec l'être aimé, eh bien on vous dit que c'est important. C'est quelque chose qui vous fait travailler sur l'amour de soi. Hein. Donc revenir vers vous et ne pas s'oublier dans tout ça quand des fois il y a des différends, des difficultés dans une relation. Donc là on nous parle de blocage karmique. Donc voilà, pour certains vous avez peut-être eu une rencontre forte où les choses ne se passent pas forcément de manière très facile ou très fluide tout le temps. Et donc là, on vous dit avec le blocage karmique quelque part que vous travaillez sur certaines leçons de vie, leçons d'âme au travers de cette relation. Et la clé, le conseil, c'est vraiment de travailler l'amour de soi. Hein, donc c'est peut-être que dans certaines situations, vous trouvez à douter de vous, de votre amour ou de votre possibilité d'être aimé. Mais en même temps, c'est une rencontre très forte. Hein. C'est une rencontre, vous savez, si c'est quelque chose qui résonne, c'est quelqu'un vraiment de très particulier, de très très spécial pour vous. Mais en même temps, voilà, il y a différents aspects reliés à cette relation qui ne sont pas évidents et qui vous amènent à travailler soit sur des blessures ou vous vous trouvez peut-être activé et notamment il peut y avoir un petit peu soit de la tension ou des formes aussi d'éclairs hein, au travers de vos différends quand ça survient. Voilà, bon écoutez Amélion, si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé dans le domaine romantique, professionnel ou général, je fais aussi du coaching intuitif pour ceux que ça intéresse. Vous avez mon adresse email qui s'affiche, hein, donc c'est contact@intuitivemarlene.com. Vous l'avez aussi en dessous de la description de la vidéo et dans la section commentaires. Et vous avez un lien pour commander directement votre tirage de tarot. Donc si c'est quelque chose qui résonne particulièrement avec vous en ce moment, eh bien ça me fera plaisir de vous guider. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous résonnez bien sûr avec mes tirages, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la petite clochette. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, eh bien, vous serez avisé. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, bien merci à tous pour votre présence. Et tous ces tirages sont pour vous. J'espère qu'ils vous aident d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de joie. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.